Attends, j'ai pas compris. Vas-y, dis-moi. En fait, mon fils, il voulait une carte de sortie. J'ai dit non pour cette année parce qu'il est encore trop petit, il reste à l'école. Quand j'étais en 5e, je t'ai demandé, tu m'as dit on verra l'année prochaine. Et là, il me dit pour l'année prochaine quand il sera dans la grande école. J'ai dit on verra aussi. Il m'a dit, je le savais. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez-nous, tout va très bien. Je reviens vite fait donc sur le fait que mon fils donc voulait une carte de sortie. Moi, déjà, c'est hors de question. De un, avec tout ce qui se passe. De deux, il est trop petit de toute façon. Et il pense que l'année prochaine, vu qu'il sera dans les grands, il pourra avoir une carte de sortie. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas au courant. C'est qu'il ne pourra pas avoir de carte de sortie l'année prochaine pour le temps de midi. Parce que c'est comme ça, même déjà à mon époque, c'était jusqu'à la 3e secondaire. On pouvait seulement avoir une carte de sortie. Donc, je le laisse espérer. Et quand il va aller dans l'école des grands et qu'on va lui dire qu'on ne peut pas avoir de carte de sortie, voilà. Donc, voilà, c'était juste la petite histoire pour cette carte de sortie, en fait. Les amis, j'espère que ça va toujours. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez d'autres sites pour louer donc des appartements à l'étranger, donc pour des vacances? Voilà, moi là, j'ai regardé sur Airbnb. Mais bon, il y a des apparts, des fois, c'est pas ouf, etc. Donc, je me pose la question de savoir si... oui, j'ai regardé aussi sur Abritel, mais j'ai pas vu grand-chose. Voilà. Désolée, j'ai pas précisé la ville. C'est pour New York. J'ai regardé partout. Enfin, j'ai regardé sur Booking, il n'y a rien du tout. Donc, on voudrait vraiment un appartement. Parce qu'on voudrait vraiment avoir une cuisine, etc. pour se faire à manger et tout. Donc, je sais pas s'il y a d'autres sites spécialisés en fait. Donc, à Britel, j'ai regardé. J'ai pas vu grand chose. Voilà.